Le palais est ouvert normalement au public depuis 2015, malheureusement depuis les attentats. Il est quand même ouvert au public, mais seulement sur invitation. Il suffit donc d'aller sur le site de votre sénateur, tout simplement, et de faire une demande de visite. Vous avez un collaborateur qui va vous répondre et ce sera favorable. Vous pouvez faire des demandes à plusieurs sénateurs aussi. De tout. Alors en fait, au début, je pense, par rapport aux questions, aux diverses questions que j'ai, je pense qu'ils viennent d'abord pour le lieu et très vite pour le fonctionnement du Sénat. Je pense que la période a effet, puisqu'il y a eu beaucoup de lois qui sont passées très vite. Normalement, comme vous savez, il y a une navette qui se fait entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pas beaucoup de navettes, donc il y a eu beaucoup, enfin de politique, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de sénateurs qui ont un petit peu élevé la voix parce que le Sénat se sentait inutile, alors que justement, il est là pour contrôler justement les actions du gouvernement.